Salut YouTube, promis aujourd'hui, l'enregistrement va fonctionner et tu sauras du coup à quoi j'ai joué et qu'est-ce que j'ai fait dans Hades. Parce que hier, l'enregistrement OBS a planté, j'ai pas du tout de traces, donc j'ai streamé pendant 2 heures dans le vide. C'était chouette, hein, je me suis bien amusé. Hein. Bref, aujourd'hui ça va aller mieux. Allez hop, on est reparti. Du coup, évidemment, bah, il y a un petit creux là dans les tentatives d'évasion. Il y en a un peu plus. J'ai dû faire 3 runs hier, je pense. Ok, énorme! Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais, non, il est tout fin. Il est tout fin. Il est tout fin. Il est beau. Et c'est pas très juste quand même pour nous les moches. Tellement il est beau. Alors, on va augmenter un peu le son. C'est vrai qu'il est un peu faiblard le son d'Odès. Tu comprendras plus tard pourquoi je l'ai. Qu'est-ce qu'il raconte? Quel compliment. Tu vas croire que Tony Hub a un plan de drague sur George. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais fais pas genre, t'es moche, arrête un peu. Je peux jouer au dragon et regarder Twitch, c'est cool ça. Ah! Connexion qui fonctionne. Bon, sinon, comment vous allez tous? Dites-moi. Ah ouais, on commence par ça. Technique plus rapide. Et 200 de dégâts. Technique inflige 50 points de dégâts aux ennemis. Oh, c'est bien ça. Votre charge tire à la place d'un projectile perforant. Non, non, ça c'est bien ça. Je l'ai utilisé hier, c'était cool. Mais vous avez pas vu, évidemment. Donc j'ai du réseau et l'appli est bien avant. Moi je veux moins mourir ce soir que hier. C'est tout? Voyons. Ah moi je veux moins mourir ce soir que hier, ce qui est plutôt un progrès. Ah bah ouais, effectivement ça. Ça rassure un petit peu. Petit coup de vieux aussi. Le 2 m'a rajouté 31. Ok, j'ai pas compris. Non mais Tony Hub, quand comme tout névrosé qui se respecte, j'aime pas ma gueule, oh là là. Ah mais qui est difficile lui hein. Je l'aime pour 2. Ah le docteur, pas le 2, d'accord. Okay. Demain le coup de vieux. Oh là là, mais oui. C'est vrai, demain c'est l'anniversaire de Gigit. Hein. Et elle prend 28 ans. Rendez-vous compte. Si jeune. C'est bien ça, il me donne de la vie direct. C'est plutôt bien parti parce que moi, vu comment je joue. Ah, il m'a touché. Quel dommage. C'est bien wesh ça. T'es mignon tout plein. La vieille, ouais, c'est ça. Mais en vrai. Il y a 20 ans, on était ensemble. Non, mais. Merde, est-ce qu'il y a un modo pour retirer ce message dans le chat? Est-ce que quelqu'un pourrait enlever le message totalement faux qui disait qu'il y a 20 ans j'étais au lycée? Parce que évidemment, vous constatez que c'est pas possible.
Ça voudrait dire que j'étais au lycée à 6 ans. Non. Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est au lycée à 6 ans, ça ne marche pas. Des clés, les clefs. Plutôt les clefs, ouais. Ils sont où? Ah, il est mort, Route. Ah oui, c'est pris la bombe, d'accord. Deux clés en plus? Non. Mais pourquoi deux? J'ai pas compris. Bon, tant mieux, mais... et moi à 8. Team ultra précoce. Votre lancer. C'est vrai que je l'ai pas encore utilisé, le lancer. On va prendre ça et ça. Ah, ok. Parce que de la vie, ça me sert à rien. De la vie, de la vie. Techniquement, moi aussi en Doug. Ah, oh, c'est vrai. C'est encore le Doug à l'époque. Combien des Boza, on est vieux en vrai. La classe des BA. Des BA. J'aime bien le bouclier quand même. Comme arme, elle est sympa. Hein. Bah la classe des... Ah, des beaux-arts. Ah oui, d'accord. Okay. Premier cours de peinture pour moi cet après-midi. Théorie seulement. C'était bien. It comforts me to see how far you've come, cousin. And I am confident that you shall meet. Alors, attaque plus puissante. Et PF... Ah oui, 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 ah oui. Hein? Ah, la technique est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Votre lancer inflige des dégâts en zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire. Alors, est-ce que je fais sur la technique? Oh, 80... Ouais, non, mais 89%. Trop bien, quoi. Ah, je l'ai jamais défoncé comme ça. Je pense que c'était la chorale ce soir, c'est cool ça. Après, beaucoup trop d'ego et de corporatisme, ouais. M'étonne les voix. J'ai que des dessins là, je débute, mais j'aime beaucoup, c'est thérapeutique. Bah, le but est de se faire plaisir de toute façon. Oh là là, deux épiques et un rare, mais qu'est-ce qui se passe là? Votre attaque produit une étincelle, ça je connais. La technique déclenche un éclair. Ah mais non, mais je continue à garder ma technique divine, moi. Ça va me permettre de renvoyer les trucs et j'aime bien le renvoi. Votre attaque... Ouais, allez, ça va me faire des dégâts en plus sur les ennemis, donc encore des clés. Oh là là, mais... Oh mais c'est trône les amis. Ça fait tellement mal. Ah oh, mais ok quoi. Ah mais c'est tellement ok. Le passif qui me rajoute de la vie. Ouais, parce que je commence à être... Déplacez-vous, la présence d'un portail du chaos. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer un truc. Fates are being kind, I guess. Gods grant me strength.
Qu'est-ce que ça me donne? 113 pour... Oh là. Oh là là. Oui. Le 113, bien évidemment. La peinture m'a prévenu. Faut encore plus accepter imperfection et gâcher... et lâcher prise. Je suis mal barré. Est-ce que tu regardes Bob Ross sur Twitch ou pas? Pourquoi ils sont comme ça? Est-ce que j'en ai ou pas? Non, j'en ai pas. Bon, allez, on va chercher. Vraiment, si vous avez l'occasion, regardez Bob Ross sur Twitch. Hein. C'est tellement bien. Quoi. Ça c'est pris et ça permet de gagner des sous, ça me... je regarde Tonium moi monsieur, qu'est-ce que c'est? Et en fait Bob Ross c'est un peintre qui faisait une émission dans fin des années 80, début des années 90 à la télé américaine, sur une petite chaîne de télé américaine. Et en fait les ayants droit de Bob Ross ont décidé de faire un compte Twitch où tous les week-ends, ils rediffusent des émissions de peinture de Bob Ross. Mais c'est vraiment super, super chill, le mec explique bien et tout. Enfin, les streams de peinture de Bob Ross sont vraiment vachement bien. Donc n'hésitez... Et le mec a un compte Twitter. Donc c'est marrant parce que Bob Ross est mort depuis 95. Il est mort d'un cancer en 95. Mais Bob Ross, du coup, a un compte Twitch qui marche vachement bien. Et un compte Twitter aussi. Mais c'est les endroits en fait qui... en fait c'est une association maintenant, c'est une association Bob Ross qui donne des cours de peinture, mais ils ont aussi ce truc là quoi. Et franchement, enfin c'est vraiment bien, super bien. Si vous voulez apprendre des techniques de peinture Bob Ross, et bah n'hésitez pas à aller le voir. Mais j'ai jamais eu ça. Mais c'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu il est comme ça maintenant? Ah, un petit côté comme Tonyob. Ah, c'est pas pratique dans... C'est pas pratique dans Hades. Mais t'es comme Tonyob, allez. T'es comme Tonyob. T'es comme... Tony en aquarelle, on met son pinceau sale dans une autre couleur. Et là, les tocs se révoltent. Ah bah. R comme Rabia. Qu'est-ce que... Je vais tenter ça. Ça se trouve, on peut retomber sur la nana là qui est sympa et qui nous file des trucs. Bon bah non. Ce sera Caron. Amélioration? Ah bah ouais, une petite grenade. Petite grenade. Est-ce que je pars? Oh là là, mais oui. Mais oui. Oh, ça va être... Ça va être horrible. Il est pas content. Il est pas content qu'on casse des trucs. Et la bouffe, ça me sert à rien, vu que je suis full life. C'est pas la plus vive celle-là. Hein. Merde.
Yes! Oh, elle a pris cher. Hein. They'll wrongfully accuse somebody else. Elle a pris cher la cocotte. More darkness. Et ça fait bien plaisir. Demain, je mange PB avec ma collègue Lise chez moi si tu veux venir. Après, on bosse. Demain, à quelle heure? Le midi? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, on va essayer de l'augmenter. Qu'est-ce que je peux acheter? J'ai juste un que vous étiez qui? Ah, ça, je l'ai déjà pris tout à l'heure. Hein. Non, on va garder nos sous. Ta matière préférée, elle enseigne l'espagnol. Mmh, bah dis donc. Pas trop bien. Soy un alumno de clase d'espagnol. Hein. Voilà. Mais j'ai déjà eu le diams. Ouais, j'y suis. Lise est jolie et gentille. Et jeune, très. Ouais. Merde! Ah oui, j'ai pas pris de dégâts! Oh, trop bien! Oh, j'ai cru que j'allais prendre des dégâts, mais finalement, je les ai pas pris. Oh, est-ce qu'on va continuer à augmenter le truc? Est-ce que je suis un ouf? Non, non, oh, je suis allé dans le feu. Quel gros naze. A palm of power. Yes. Power of Olympus. Oh oui, je peux encore l'augmenter. Ah là 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 là. Ah là là. Palm power. Ah, je peux encore l'augmenter quoi. Encore des clés? Ah oh mais je vais être tellement riche de clés là. Vous savez que je flippe aujourd'hui, je regarde mes stats de stream. Parce que j'ai peur que vous partiez et que je me rende pas compte. Hop. Alors, vos ennemis ont 15% de chance de laisser derrière eux de la nourriture à leur mort. Ça pourrait me refaire un peu de vie, ça. Hein. Un objet du puits. Ça, c'est cool. What do I get? Ok. Hop 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 hop. Oh là là, mais quel gros naze. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. C'est qui? Ah. Pourquoi? Pourquoi je peux pas lui parler? Ah bah oui, je lui ai déjà parlé, d'accord. Dionysos ou des gems. Ou de la... Ah, il y a un petit truc là. Regardez. Mean nothing to the ferryman Charon, who travels all the waters of the underworld bearing the dead. I do enjoy dead people's fineries. Je suis craqué quand même, donc on va prendre de la vie.
touche pareil avec un subprime qu'avec un autre. Ouais. C'est le la même somme que je touche. Merde. C'est quoi cette salle horrible par contre? On peut savoir combien ça fait ou c'est secret? Vous payez 5 balles et moi j'ai 50% qui revient. Twitch prend 50% et me laisse 50%. Donc à peu près 2,50€ quoi. Sur un sub. Death dealer, my kin. For by my estimation, you have slain at least 1,000 souls down there. Souls mostly having died before. Ok. Non, je veux pas remplacer ma technique divine, pas du tout. Lorsque vous utilisez votre refus de la mort, vous infligez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. Ah, c'est pas bien ça. Si vous tuez un ennemi, votre prochaine attaque ou technique inflige plus de dégâts. C'est pas mal. C'est honnête 50%. Alors ça c'est juste pour le début. Et après quand tu passes partenaire et tu peux avoir du 70-30. Donc comme son nom l'indique, bah tu touches 70% et Twitch ne prend plus que 30%. De la bouffe. Merde. Ok, de la bouffe. Donc les gens très suivis, c'est un bon salaire. Ah mais y en a, c'est plus qu'un très bon salaire. Les streamers qui marchent vraiment bien, c'est des trucs genre 10 000 balles par mois quoi. C'est pas... je sais pas si on peut encore parler de salaire quoi. L'argent de poche. 20 000 c'est possible aussi. Ah ouais non mais y en a, ils sont... Les gens qui marchent très bien sur Twitch, ça marche très bien, ça marche très fort. Je vais me recycler. Alors oui, par contre je te ferai la même remarque qu'à Bibi. Peut-être vouloir faire quelque chose pour ta connexion internet. Votre élan crée une faille tranchante, votre appel vous transforme en faille tranchante. Le refus de la mort. Je l'ai pas déjà pris ça? Peut-être pas. Donc 12h45 demain. Ouais, je te redis que je pense pas. J'ai pas mal de taf en ce moment. Donc ça va vraiment dépendre de comment se passe ma matinée en fait. Your heads. C'est rigolo.
Bah voilà. Ok, il y a les autres qui vont arriver, voilà. Oh, oh lol, oh lol. Oh, c'est la boucherie, hein. Oh là là. Moi Bibi, si tu veux on parlera des seins, je vais me reposer, m'en veuillez pas. Bah pas du tout, non pas du tout, on peut comprendre que t'as eu une dure journée et tout, donc non non, y'a pas de soucis. Pas de soucis, bisous à tous, bon stream, et si Sunshine ce soir, fais-moi un SMS please. Non non, ce soir ça sera du Metroid. Ça sera pas du Sunshine, je pense que je vais continuer Metroid parce que ça fait un petit moment là, donc... on fera Metroid ce soir et probablement Sunshine demain, voilà. On te fait plein de bisous. Repose-toi bien. Oh là là, ça s'est tellement bien passé. Et j'ai encore mes deux... J'ai encore mes deux refus de la mort, quoi. Et là, je suis full life. Et bah... les ennemis indemnes. Oh, et la technique qui fait plus 40. Oh, ça va fermer tellement mal. Bye, Asphodel. Là, faut vraiment que je me booste en vie en fait. Si je peux trouver des trucs pour avoir de la vie. That's what the outside world is like. The enshrouded river of forgetfulness, Lethe. Flows through the hallowed chambers of Elysium, numbing old pains and memories of the most noble. I'll have to give them new pains to recall. Oh, mais ces graphismes, c'est tellement beau, tellement tellement beau. Encore ? Très cool. Disque renforcé, maintenez enfoncé votre bouton de technique pour charger votre lancer de bouclier. Ah c'est vrai que je peux faire ça, oh là là. Votre charge met moins de temps à préparer, votre charge pour infliger une charge puissante. 500, oh là là. C'est vrai que j'utilise jamais la charge.
Let's go. Ok. Oh, c'est trop génial ça. Jusqu'à 100 boules, non je veux pas. Par contre je vais aller au... Ouais. Je vais aller au shop. C'est qui? C'est Chacha comme d'habitude. Comment ça va Chacha? Ah regardez. Alors, bah, on va augmenter notre vie. Évidemment. Est-ce que de la vie, je suis à 119. On va essayer de l'obtenir par l'e-farm. Non, bah non. Zeus, hein. Ah. It's a low blow, sir. I thought you were the big honorable type. You mock my sense of honor. Common tactic. Ah, j'ai oublié, ouais. Il fait tellement mal. Pourquoi il m'a touché là? Oh là là, il fait super mal quoi. Warhouse. Beau combat, ma technique faisait pas le figure face à la champion de l'Elysée. J'espère que tu pourras bientôt t'en rendre compte par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? C'était ok? C'est ok? Je l'ai eu? Bonjour GG. Non, moi c'est Tonyob.
C'est pas GG. Oh là là. Vos effets électriques appliquent l'état choqué. Dégâts de foudre lors de sa prochaine attaque, blessant également les ennemis à proximité. Ah, c'est bien ça. Les étincelles que vous produisez rebondissent encore plus de fois avant de se dissiper. Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Je l'aime bien lui, mais il y a les trucs épiques et collégrammes là. C'est quoi le pitch de ce jeu en fait? Eh bien, tu interprètes machin là, dont je me rappelle plus le nom. Qui essaie de s'évader du royaume des morts, qui est en fait tu es le fils de Hadès. Et Hadès a envie que tu restes, parce que c'est ton papa, il veut pas que tu t'en ailles. Et toi en fait bah, tu essaies d'échapper au truc. Donc bah, tu es obligé de, vu que c'est tu es très bas et tu es obligé, tu veux remonter au niveau de la mer. Pour voir ta maman en plus justement. Donc le but c'est de s'échapper. Contrairement à Isaac où le but c'est de s'enfoncer de plus en plus, dans Hadès tu remontes. Voilà. En fait c'est Isaac mais chez les Grecs. Tout simplement. Donc ça c'est ok. Et le prochain... Qu'est-ce que... Ah oui. Ok. Ah, oh, je peux encore l'augmenter. La rage, hein, votre... Non mais j'augmente encore ça, quoi. Je vais voir un truc à force de l'augmenter comme ça, là. Non. De la vie. Ok, donc tu fais les combats les uns après les autres en s'améliorant doucement. C'est ça en fait. Dans chaque pièce, quand je rentre dans une pièce, je choisis... Alors des fois j'ai pas le choix. Mais t'as vu en fait là j'ai choisi par exemple, j'avais le choix entre je sais plus quoi et gagner de la vie. Et donc après j'ai une arène. Dans l'arène je dois tuer tous les ennemis. Et à la fin j'ai ma récompense. Et au fur et à mesure, en fait à chaque fin de pièce, j'ai une... Elle m'en rapproche ? You could just get away from me, did you? Thanatos. Et donc voilà, à la fin de chaque arène, j'ai une augmentation quoi. Donc ça peut être de la vie, ça peut être des bienfaits que m'offrent les dieux de l'Olympe. Ça peut être de l'argent que je peux après échanger contre d'autres objets. Enfin, donc il y a pas mal de trucs quoi. Mais faut choisir sa route du coup. Thanatos. I figured it was only a matter of time before Fa sent you after me to do his dirty work. Zagreus, is that really why you think I'm here? Let's see how many of these exalted champions you can send back to their dooms, unless you'd rather I would send you back to yours. Here come your father's forces. Let them come. Non, faut pas que je meure. Non, c'est dégueulasse. Zut. C'est un peu vu et revu en fait. Bah, c'est le principe des roguelites en fait. C'est
without so much as telling me goodbye. I suppose you knew I'd catch up with you sooner or later. Is that... I left when it was necessary, then. I thought of you and hoped you'd understand. I have to do this. That's more motivation than I've ever heard from you. Well, if you won't say it, I'll say it. Goodbye, Zagreus. Il est sympa le frangin. Il est cool le frangin, je trouve. Pour l'instant. De la santé, ouais. Après le truc bien dans Hades, c'est que l'histoire est vachement vachement développée, quoi. Et donc tu vas comme bah là c'est que tu vois j'ai discuté avec mon frangin, tu vas discuter avec plein de personnages, tu vas commencer à avoir, enfin il y a un nombre de textes juste incroyable. Et tu vas développer des histoires parallèles avec, avec tous les personnages. Voilà, là, ce que je vais choper, c'est un nectar. Et le nectar, tu peux le donner aux autres personnages. Et donc, du coup, ils vont t'aimer un peu plus. Ils vont te filer des meilleurs trucs et tout. Donc, y a un développement dans le jeu qui est quand même assez dingue, quoi. Et qui est franchement chouette en plus. Ah bah encore de la vie. De la vie. T'as des quêtes parallèles. Bah tu vas... T'as pas des quêtes parallèles? Enfin je crois pas. Mais Mais tu développes des histoires en fait. Pour savoir un petit peu qui t'es et d'où tu viens et tout ça. Là. Ce que je me suis pris dans la tête. Encore de la vie. J'ai pas mal de thunes. Hein. Allez, on va aller voir. Je trouvais beaucoup plus interpellant et déroutant que celui-ci. Mais si en fond, on se retrouve sur à peu près sur les mêmes mécaniques. Oui, non, c'est ça reste du. Ça reste du roguelite en fait. Donc, oui, effectivement, c'est les mêmes mécaniques quoi. Après, l'histoire est différente, les techniques de combat. On voit que c'est beaucoup plus vif par exemple qu'un Isaac quoi. Il y a plus d'ennemis, faut aller vite. C'est. Mais dans le fond, oui, dans le fond, c'est la même mécanique. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Je vais pouvoir me redonner de la vie. Je vais pouvoir
améliorer un truc. Les dégâts électriques appliquent l'état choqué et en plus le choc fait plus de dommages. Et est-ce que je peux l'acheter? Ouais. On va tout dépenser parce que je vais peut-être mourir là. Vos attaques techniques et lancées infligent plus de dégâts. Bah ouais. En fait oui. Bon. Je suis noobie dans le genre, mais t'excuses pas, hein, c'est... Là, je vais avoir les deux. Ça va être chaud. Donc lui, c'est aisé. Theseus, no way. You two are legends. I'd be honored if we had a sporting contest here. A naked attempt to sway me from my convictions. Defend yourself, you blackguard, and may the gods show you some mercy, for I shall not. C'est là? D'accord. Oh la merde, oh non. Oh mais j'étais bien parti. Je fais que de la merde là. Bah oui, forcément. Oh, oh non, 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 non. Oh là là, plus que deux points de vie. Quoi? Oh merde. Merde. Oh, j'étais bien. Ça me fait penser à la série de bouquins Percy Jackson. Bah c'est parce que c'est voilà, c'est les mêmes dieux et tout, donc évidemment que hein. Oh, j'étais bien parti. Ah, il est là, il m'attend. Really, that is the worst idea I think I've ever heard. Do you understand how little sense that makes? I'm just saying, maybe if you just I don't know. Had all the mortals die at the same time, save you a bunch of trips, and we'd have more time to spend together, huh? Ah. I don't know why I bother with you, honestly. Get back to work and let me do the same. Mais quel débile. Si tu les tuais tous en même temps, ça serait plus simple. Bon, évidemment, papa se fout de moi. My father's hall back there. I don't suppose you'll let me have myself a look. Lots for me to rummage through, I'm sure. You know I'd do just about anything to aid you, lad. But my ability to do so hinges on me sticking to my post. Though if I do catch wind of anything back there requiring attention, you shall know. Understood, sir. Alors, le chien. The prince and Cerberus exchange a look. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a du ZA dans le coin?
Elle est où, Dusa? This is not here. Ah, bah voilà. Suffit de demander. You are returned. Oui, je suis de retour. You have met most of your Olympian relatives by now, child. Although the power of their blessings is fleeting here, they shall continue to support you. They all still think I'm headed to join them on Olympus. That's why they're helping. Un jeune comme toi qui est toujours au collège pour ses bouquins au lieu de faire des écrans. Pour lire ses bouquins au lieu de faire un... Oui, oui, bah oui. They are helping you because you are family. Family with whom they do not... It's getting complicated pretty fast. Oh, hello, Zagreus. You look a little down. And so I was just wondering... Oh, on va chanter? How about the lament? You used to play that one. Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm... Évidemment. Évidemment qu'elle a pas voulu. Est-ce que je... Ah non, j'en ai que 5. J'ai que 5, ça va pas me permettre d'aller très loin. She is gone, boy. She is gone. You are never going to locate her. I thought you would have come to that conclusion for yourself by now. But apparently it must be said. You mean mother? How would you even know? You said reaching the surface was impossible as well, and I'm in striking distance. This is my final warning to you, boy. To cease this mindless quest. Or else the consequences shall be worse than what we've experienced thus far. Je prépare mon repas et pas sur le PC. Bah, bonne préparation de repas, à tout de suite. Sorry, father. I'm not afraid of you. Bon, on va filer. On va filer le truc au chien. You like this stuff, don't you, boy? Well, good, because I like sneaking it over to you. Oh, meilleur tout touché, hein. Nectar is enough to briefly sate even the ferocious abbot. Oh, regardez ça. Il m'aime. Il m'aime, le petit chien. Donc, Astérion, je vais écraser la tête. Du coup, Athéna, Arès, Hermès, j'ai eu Thanatos, Tisiphone. Le bouclier. Eh ben dis donc. On a vu des ennemis. Ah, j'ai un petit truc nouveau ici. That definitely came to pass. Yes. 10 clés. Oh là là. Combien? 10 clés. Good to have friends in low places. Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça, j'ai dit que pour l'instant, je gardais. Pour l'instant... Ah mais je vais pouvoir débloquer ça. Pour l'instant, j'essayais d'avoir mon troisième refus de la mort, donc Mais je peux débloquer ça. Les poches profondes. Commencez chaque tentative d'évasion des enfers avec un peu d'argent. Ah ouais. La peau dure. Augmentez votre total de points de vie, plus 5 par niveau. Ah. Ah, je vais peut-être craquer pour ça quand même. You're getting pretty strong, I'll give you that, boyo. Strong enough to smack a guy like me right up against the wall and I'd go straight to pieces. Boom! You just remember, when you're duking it out, the walls are... Smack guys against walls. Sound advice at... Bon, ça, je peux le débloquer. This one. Malfon twin fists. Let's say we crack some skulls. Whoa, those are some paws. Couldn't hit me with that, pal. Okay. Oh. Ouf.
Est-ce que je l'ai débloqué? Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Hein, c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert, c'est débloqué. La durée des effets des marchandises du puits de charbon est augmentée de 4 combats. Ok. Infligez plus 1% de dégâts lorsque vous avez 35% de votre vie ou moins. Les urnes que vous détruisez ont 3% de chance de contenir de la nourriture. Restez automatiquement jusqu'à 50 points de vie lorsque vos points de vie atteignent 0. Une fois par tentative d'évasion. Plonger dans les portails du chaos sans perte de cœur. Hein? Oh! C'est pas mal ça. Le prochain bienfait que vous trouvez viendra d'Aphrodite. Bénédiction, 10% de plus de chance d'être de qualité rare ou supérieure. Et le prochain bienfait que vous trouvez devra être Poséidon. Mais c'est... on va tester ça. Je vais pouvoir prendre les Devil Deal gratos là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui. Ferme conviction. Infligez plus de dégâts parce que vous possédez 80% de votre vie au total de 20 ou plus. Toucher de Midas. Midas Touch. Obtenez de l'argent lorsque vous quittez une région des enfers. Ok. La peau dure, ça peut être pas mal. Hein. Pour l'instant, j'ai plus 20. Allez, j'avais dit que j'économiserais et finalement j'ai tout dépensé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer avec les points points, le petit point américain là. A mortal's life is short and fraught with pain. Is that truly the life you yearn for, boy? Quelle heure est-il? Bon bah deuxième et dernière run. Hein. Alors, l'attaque est plus puissante et peut effectivement renvoyer le lancer. Ouais, oh merde. Definitely. Hein. Des clés. De la vie,
Bah ouais. De la vie, c'est bien. Ouais, pour offrir à quelqu'un, ça va être cool. Allez, qu'est-ce que tu vas me filer ? Votre élan permet d'infliger des dégâts aux ennemis autour de leur poussée. Votre appel permet de tacler vos ennemis en étant invulnérables. Les trésors engloutis, vous obtenez un sortiment aléatoire de machins, de trucs et des bidules. C'était pas mal. Sisyphe, nous raconte Sisyphe. You had run-ins with Tisiphone the Fury here before. Tisiphone? Why, yes, I have in fact, Prince said. She's visited on. She is, although I think she's back to deal with me. I'll have to keep her plan. Appreciated, Prince. Of all the Fury sisters, she's the one I would least care to see. But if she does stop by, you know. Alors, de la nourriture, non. Obsidienne, ça m'en donne pas mal. No worries whatsoever. Thank you, mate. Donc, ok. Est-ce que je lui offre le truc? Non. Je vais l'offrir à... Quoique... Ça me permettrait de débloquer l'objet... Ouais. Ah, je peux plus? Ah si. Allez, tiens, Sisyphe. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Thanks for that, sir. Tu manges ce soir. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle mange, Blackie? Et pour chaque personne, en fait, faut que je leur donne au moins une... Au moins un nectar pour débloquer tous les objets, là. Salade, endive, mozza et des jambons. Je me fous dedans. Hein. Alors Artemis, votre technique est plus puissante et à 20% d'infliger des dégâts critiques. Le tir précis. Et tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques.
c'est possible de livrer. Bah écoute. Alors c'est forcément possible, mais je suis pas sûr que tu sois livré en temps, hein, vu la distance. Technique est plus puissante et 20% de... Ouais. The hunt is on. Allez, des gems. Effectivement, les petits dégâts critiques, ça fait mal. On va tenter ça, parce que je le tente jamais. Récupérer 15, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Le shop, hein, parce que vu la thune que j'ai, bah zut, nous ce sera gratte d'épinards. D'ailleurs, on va manger. Bah, bonne app. Une question par rapport à mon problème de ce midi. Si première est installée dans le dossier programme de Windows 10 et pas dans x86, c'est le 64 bits. Ouais, on est d'accord. Ouais. S'il est dans programme, c'est ok, c'est qu'il est en 64 bits, sinon il serait dans l'autre. Ça, j'avais testé la dernière fois, je sais plus ce que ça faisait. Le soutien de Dionysos, l'attitude positive. Strong stuff. Ok, c'est tout ce qu'il avait à me dire donc. De la bouffe, non, mais on va prendre. Votre technique est plus rapide, ça serait pas mal ça. Attaque plus rapide. Ah, la technique plus rapide par contre, ouais. Du coup, t'es bien avec la version 64 bits, donc c'est pas une limitation. En termes de taille de fichier, donc c'est autre chose. Mais non, mais je me suis barré. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Âme de centaure. J'obtiens de la vie. Ouais. Un objet du puits de charron. Bon, déjà de la vie. Ah mais ça me l'a pas ça me l'a pas augmenté direct. A palm of power. Tu essaies avec Handbreak, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Votre attaque plus puissante, la technique est plus puissante. Ah ouais, quasiment 100% sur les dégâts quoi. Par contre, ça va pas être simple, hein. Which sister this time? Hi.
Encore ? C'est ce que j'ai fait à midi avant de partir. Je teste l'export qui a été fait. La réponse dans 5 minutes. I was really hoping we could change the subject. Ouais, non, prendre une arme au corps à corps là, vu mon niveau, c'était pas une bonne idée. Je l'ai eu ? Mais comment je l'ai eu ? Je pense que c'est les renvois. Les renvois, ça a dû mais la déglinguer. Oh ! Shoryuken ! Ah, mais ça lui a fait tellement mal le renvoi. Bah ouais. Ah, voilà, c'est tout. J'y ai cassé sa petite tête. Infliger plus 50% de dégâts d'attaque de technique et de lancer lorsque ceux-ci ne sont pas sous l'effet de bienfaits. Ah, d'accord. Donc en début de partie, c'est cool ça. Et je grimpe et je grimpe. The Asphodel Meadows. D'accord, il est mort tout seul. Ok, ça me va. Attaque plus puissante. Ouais. Technique mortelle. Élan. Bon, on va encore augmenter les dégâts. Le encodage avec handbrake et ok, cool. Ouais. J'ai plutôt tablé sur les gemmes. Let's go. I hear something. Thought I'd find you here. Thought I might find you all the way out here. Although quite frankly, I'm surprised. I can hold my own in case you haven't noticed then. I haven't, Zag. Now stand back and let me show you how it's done. Can you deal death back? Let's find out. Zut. Non mais non. Ah
J'ai pris cher par contre, hein. It's a tie. I've got to hand it to you, Zag. You're easy to track down. Well, they won't fear me once they get to know me. I'm not so sure about that. Even I'm beginning to fear you, I think. It seems I don't know you as well as I thought. Alors ça, ça me permet d'avoir quoi? Des obsidiennes, ça m'intéresse pas. Épisode 12 de Tomb Raider 3, sauvé. Eh bien c'est bien cool. Qui je vais prendre? Elle est Poséidon, bon par contre, je suis dans la même situation que toi hier. 32. À 3 heures de gameplay disparu. Ouais, alors moi ça pas. Merde, je suis dans le feu. Let's do this again sometime, all right. Alors, un tir de submersion. Votre lancer inflige des dégâts de zone et repousse vos ennemis. Lorsque vous commencez un combat, votre attaque, votre technique inflige plus de dégâts pendant 10 secondes. Ouh, c'est bien ça. Ouh, les trésors. Et là voilà. J'ai plein de gems. Ah là, j'ai pas le choix. Je prends ça. 2 à 3 heures de gameplay, d'accord, ok. C'est plus clair effectivement. Alors votre attaque est une rafale de 3 coups, chaque coup inflige 40 de dégâts de base. Technique, coup chargé, assaut inflige 60% de dégâts en plus. Let's go pour ça. De la vitesse, non, on va essayer de récupérer encore des ressources. Ça va être la run où je veux pas aller loin, mais où je veux récupérer un max de ressources.
Alors qu'est-ce qu'il va me filer? Les trésors. J'ai même pas regardé ce qu'il me proposait d'autre. Hein. Ce qui est pas très sympa mais... 411 en thunes, et bah 411 en thunes, on va aller au shop. Alors qu'est-ce qu'il me propose? De la vie. Une amélioration. La technique plus puissante. Ou l'attaque plus puissante. Allez go. Let's go. Votre lancer traque vos ennemis. Allez, on va essayer de casser la gueule du mage de l'hydre. Par contre, elle prend cher, elle. Je lui ai fait mal, je crois. Je crois que je lui ai fait un peu mal. Oh là là, mais du coup, ma run dure des plombes là. Moi je me suis dit, je suis nul. Je suis nul, ça va bien se passer. Je vais rien faire. Par contre, j'ai pas de Devil Deal et c'est un peu chiant. Vos ennemis ont 15% de chance de laisser derrière eux de la nourriture. Ça, c'est pas mal. 22, ouais, c'est pas cher. Et votre lancer inflige 50% de plus de dégâts. C'était tellement bourrin et, et c'était tellement no brain ce combat. Et j'y suis allé, en fait j'avais le renvoi et le renvoi était vachement puissant quoi. Donc j'ai bourriné comme un gros sale, j'avoue. Ouais, on va augmenter un truc.
J'y vais vraiment comme un bourrin. Votre assaut transperce vos ennemis et inflige 900% à leur... Oh là... Oh... Oh... Votre attaque inflige plus 5% plein de dégâts de base pour chaque frappe consécutive blessant un ennemi. Ah donc à chaque fois... À chaque fois que je tape un ennemi de manière consécutive... plus 5 à chaque coup. Mais non, mais le, l'assaut qui fait 900 de dégâts sur le... 900 de dégâts sur les armures, c'est tellement bien quoi. Ok, est-ce que j'ai des trucs à aller voir? A priori non. Augmentation. Ouais. Augmentation. Oh, oh mais oui! Donc ça c'était des ennemis avec de l'armure. Hein. Je fais 500 de dégâts sur l'armure quoi. Bon par contre j'ai pris cher en termes de dégâts là. Votre attaque est plus puissante. Ouais. Et le soutien d'Artemis. Oh bah oui. Alors le marché. Ouais je vais aller au... je vais aller au marché. Je peux acheter ça et ça. Ok. On va aller voir Sisyphe. Hein? Je sais, qu'est-ce que je fous là? Amid Elysium's moss-covered chambers, carved of stone, stand untold numbers of eternal monuments in tribute. This place is near as gloomy as the house. Well, je le connais pas lui. Go on, stranger. Plenty more shades looking to fight with you out there. I'm just passing through. You seem less warlike than the rest. May I ask your name, sir? I'm Zach. Names are there to be forgotten, stranger. You shouldn't be here. May the fates favor your journey. But just in case they don't, here. Sixième donnée. Alors, le baiser du Styx Prestige restaure la totalité du détenant de votre refus de la mort. J'en ai déjà éclaté, je crois, ouais. Dracola Premium. Pour les 5 prochaines chambres, vous resterez 30% de votre vie lorsque vous serez dans une chambre. Ça pourrait être pas mal parce que j'en ai plus beaucoup. La totalité... Ah, donc je repars avec deux, quoi. Pour les 10 prochains combats, votre attaque inflige plus 60% de dégâts. Alors c'est soit j'arrive full life... Allez, je prends celui-là.
Proclus. So that's his name. Et derrière, Amelio, c'est pas ouf, donc plus 51 en vie. Tir de phalange, doit te lancer, inflige des dégâts, zone et renvoie toute attaque sur votre trajectoire. Le bouclier sacré, lorsque vous subissez des dégâts, vous infligez aux ennemis à proximité bénéficiaire d'un bref renvoi, c'est pas mal. Dernier rempart, votre refus de la mort restaure plus de cœur que d'habitude. Allez, des dégâts de zone. Oh oui. Et ça non. Et ensuite des clés ou des obsidiennes. On va plutôt partir sur des clés. Et deux clés en plus. Ce qui est bien. Et ça me donne ça? Il y a 25? Ouais, non, mais je vais perdre de la vie, ça va me saouler. Des clés toujours, obsidienne, on reste sur les clés. C'est l'heure de me faire peur, je file des. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est ce soir! Trop bien! Bah écoute, fais-toi peur. Une clé. Une clef. Non, allez, Amelio. Alors, que ça va me donner ? La frappe divine améliorée ou
Le soutien d'Artemis. Non, parce qu'il est déjà. Il est déjà pas mal hein. La technique plus puissante. Non allez. Ah mais ça a déjà les deux. So, the fiend returns to challenge us again, Asteri. You know full well that wasn't a fair fight. Face me yourself and silence you monster. I'll hear no more such wicked lies, half truths or quarter truths. You, however, soon shall hear my blessed spear. Specifically. Oh, mais qu'est-ce qu'ils me mettent? Ah mais qu'est-ce qu'ils mettent les salauds? Non, je là, ça allait pas passer en bourrinant comme ça, c'était certain. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai récupéré plus de ressources que ce que je pensais, donc vraiment, je suis content. Losing to Theseus. I just knew that you'd be back soon as I heard you face the champion of Elysium himself. You know, I've heard that among mortals, it's an honor to be killed by somebody like Theseus. Maybe. Ah, Dusa. Ah mais j'ai pas de I just wanted to apologize because I think maybe I didn't act very appropriately last time you spoke to me. But I just really really like this job and I promise I will always do my very best. So I just hope I'll have enough. Dusa, please, there's no need to apologize. You've been doing a wonderful job, really. Right? You really mean it, Prince? Thank you. Go about your business, Sag. What if Lord Hades saw us chatting like this now? I risked everything by helping you out there and still you failed. Turns out there's quite a lot of dead to fight down in the underworld. Though I probably got farther than I would have then. Always happy to oblige. Especially when it causes me to risk my state. Il est pas content. It is plain to me that you are helping him. In spite of my insistence, you do not. What do you expect that I should do about this, Nyx? What would you do in my position? Hades, my relationship with him remains unchanged. It is the very same relationship from when you first requested I take care of him. He has my full support and always shall. You must know this. Est gentil, maman. What good is any one of you? He's not even your son. And yet you coddle him. Ah si, celle qui l'a élevé. You know as well as I that he cannot succeed. You fill his mind with harmful delusions. If that is what you want for him, then please proceed at pace. They're at it again because of me. Oui, bah à un moment, mec. The vicious three-faced guard hound of the gate. Hope Orpheus is okay. Alors. Je pourrais avoir des fontaines. Maintenant l'Elysée j'y vais régulièrement, donc avoir des fontaines ça pourrait être pas mal. Sinon avoir plus de thunes. Pas trop d'intérêt pour le moment. Donc on y va pour les fontaines en Elysée. This looks to be an excellent investment contractor. Go on and make it so. Bureau de contremaître de luxe. À donner au contremaître un peu de répit et de nouveau. Oh là là, ça va être infini. Oh, c'est vraiment le jeu du farm. La banquette, le salon. Dans les appartements, je pourrais avoir mon tapis majestueux.
Morceau court et triste que le seigneur Hadès apprécie beaucoup. Here are the gems. Should check the music stand to hear this one. Hop. Nickel. Et on va prendre le tapis pour ma chambre. What time is it? That's right. Rug switching time. C'est l'heure de changer de tapis. Ok, pour l'instant il se passe rien ici. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, faut que j'attende. Combien? 8? Ok. Boyo, next time you make it to the big VIP area upstairs, you watch out for those weapon wielding gents out there. The eyeball soul thing that pops out when you beat them, you gotta squash those too, or else they'll grab their... Crush the souls of Elysium's exalted shades to stop them from regenerating over and over. Oh bah ça j'avais compris. Hey, look at that. I need to track down more chthonic keys. Encore un combat. Ah là là, si j'avais su. Si j'avais réussi. Typhon Lee. Much of the softness of the richly woven rug the prince procured. I guess it's soft. I'm wide awake. Something new in store for me. Ah, vu que j'ai chopé les points jumeaux. Et là, ça propage chacune des armes ayant jadis docké. Donc faut que j'ai 60, pas mal. Prestigius. J. Dvarata. Qu'est-ce qu'il faut? Un destructeur. Ok, d'accord, ça c'est les. Que je dois récupérer, ça marche. Ah, les travaux de rénovation, donc quand je vais arriver à 30, je pourrais avoir. Ah, mais du coup, les trucs pas chers, ça peut être bien ça. Il me reste 20 balles. Je peux faire les trucs pas chers, ça va m'augmenter assez rapidement comme ça. Regardez, ça je peux faire. Hop. Après j'ai plus assez. Ah. Tant pis. Ah, ça va pour augmenter, ouais, mes points de vie. Ça peut être pas mal. Hop. On va commencer avec un peu d'argent. Ah, je vais tout dépenser. Je suis un fou, je dépense tout. Hop, et donc ça, il me faudra 8. Lui, je lui ai parlé. Là, ça c'est bientôt amélioré. Et on en est où? Et voilà. Bon, ok. Bon, bah voilà, YouTube. Deux runs encore qui ont bien avancé. Et je suis plutôt content en fait de mes runs d'aujourd'hui. C'était assez sympa. À la prochaine!